donc nous on était sur le départ d'une aventure en Haute-Savoie, on venait d'acheter un commerce. Donc on a continué à œuvrer pour mettre en route ce commerce. Je rencontre un petit meunier en Haute-Savoie. Et là, en fin de compte, ce petit meunier avait une chute de 15 mètres, peut-être même plus. Et il alimentait son moulin avec une seule meule et il faisait sa farine biologique. Il m'a transmis, sans que je le sache, l'amour de la meunerie. Et donc je lui dis, écoute, montre-moi ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis je vais essayer d'apprendre du mieux que je peux et un jour j'aurai un moulin. Je m'étais dit, François, tu vas laisser la décision à ta petite femme et si elle dit oui, toi tu suivras derrière. On a visité le moulin, premier étage, deuxième étage, et arrivé tout en haut, elle me dit, François, est-ce que ça te plaît, toi? Et je dis, toi, est-ce que ça te plaît? Ah, elle me dit, moi je suis emballé. Ah, si t'es emballé, on y va. Elle m'a fait confiance parce que, en toute honnêteté, je ne connaissais absolument rien à la meunerie. Moi, il m'a fallu du temps avant de m'adapter à cette vie qui était beaucoup plus calme, un changement de vie de professionnel également. Et puis de notre vie personnelle, où on partage beaucoup plus de choses aujourd'hui. Même si on travaille tous les deux comme auparavant, on prend du temps. On prend du temps pour nous, on prend du temps pour Éléonore. Tout simplement, on prend du temps tous les trois. Tout simplement en prenant la barque et puis on va faire un petit tour. Cette sensation de fabriquer du pain avec la farine que l'on produit et de le communiquer et de faire transmettre aux gens ce que représente le pain pour notre alimentation, parce que le pain, l'eau, c'est l'alimentation première de notre survie. Ça, c'est le moulin, c'est grâce à la roue que j'ai de l'électricité ici. Je l'allume, c'est avec la roue. Tout ça, c'est grâce à la roue. Tu ressens des choses, quand il y a une âme, voilà. Voilà, le moulin, il a une âme. Une âme parce que c'est un moulin du 17e voire 15e siècle. Donc rien que ça, ça suscite des choses. Tu vois, rien que de dire ça, ça me fait des frissons dans mon corps. C'est plus qu'une maison. Je peux pas dire que j'habite une maison, j'habite un moulin. Et un moulin, c'est lié à des devoirs et à des obligations. Et de vivre au bord de l'eau, ça apporte beaucoup de sérénité. Et tu prends conscience de ce qui t'entoure. Tu vis avec la nature. On est tous dans les mêmes énergies pour pouvoir animer les moulins parce que tous les moulins sont beaux, qu'ils soient grands, petits, moyens, ils sont tous beaux. Je suis devenu meunier parce que je l'ai voulu, mais d'autres personnes vont animer le moulin d'une autre façon, ils vont l'habiter, ils vont le restaurer, ils vont créer ce qu'ils ressentent eux. Rien que le mot moulin, ça interpelle. Je peux vous emmener non seulement voir un autre moulin, mais des moulins.